Petit, c'était un garçon anxieux et timoré qui avait toujours besoin d'être rassuré. Il avait du chagrin dès qu'il était séparé de ses parents, peur des feux d'artifice et des gros bruits. Mais c'était aussi un enfant observateur intéressé par plein de choses. Affectueux, il aimait déjà beaucoup les animaux. Au fur et à mesure qu'il a grandi, sa personnalité s'est affirmée et il a eu ses propres goûts. Il a pris confiance en lui et son angoisse semble s'être dissipée. C'est un garçon constant dans ses choix, que ce soit par ses 7 années de foot ou son envie d'être vétérinaire. Ce pourquoi il travaille dur. Mais derrière cette apparente nonchalance, beaucoup de choses lui réussissent. Dès qu'il s'essaie à un nouveau sport, il réussit instantanément. Que ce soit le skate, le skim, le ski. On peut aussi dire qu'il est plutôt bégé. Mais surtout, il peut manger n'importe quoi sans prendre un gramme. De la sauce graisseuse au fond de la poêle au menu Maxi Best-of. C'est un garçon qui a la joie de vivre. Lorsqu'il se fait réprimander, il répond souvent sur le ton de l'humour sans se vexer. Il est drôle parce qu'il rend les choses moins dramatiques et se montre même parfois un peu bêta. Il sait affirmer sa personnalité même à 15 ans. Quand tout le monde portait une casquette, lui tenait à son bob. Il vit au jour le jour et ne se prend pas la tête. Il est détendu et confiant, cool mais sérieux sans en avoir l'air. Du haut de ses 15 ans, il a confiance en lui, et j'aimerais être aussi confiante que lui. Cette personne qui m'inspire, c'est mon frère.